Oui, bonjour, bonsoir. Jean-Baptiste de la Voix d'Amérique, nous branchons là, nous avons appelé là, nous parlons de ça, nous connaissons dans l'actualité là. Surtout, sur le plan international, c'est la guerre entre la Russie avec l'Ukraine. Et l'Ukraine a pris sa attaque pour reprendre le territoire qui est en bas contre les soldats russes. Et il y a un peu de temps pour parler de l'Ukraine là. Et Russie toujours continue à payer. Et lancer un tout pour essayer de maîtriser ou bien encore diminuer force et ukrainienne. Il y a tout l'autre jour qu'on a fait sur le plan international tout. Bon, ici aux États-Unis, il y a là et des dominants dans le Congrès là qui en fonction, qui travaillent. Et puis il y a tout question ancien président Donald Trump, nous connaît, qui continue à défier. Ou bien encore continuer à répondre aux autorités. Donc, je commence à critiquer les autorités de la justice par rapport à après un grand jury dans l'État de Floride et inculpé pour façon de gérer les documents secrets qu'il a amené. Et mercredi encore, il y a un ministre de justice américain qui défend. Et le procureur général là, qui était sur le dossier, et même pour le dire, il n'y a pas gagné, pour le prendre distance avec le travail, le procureur général a fait ce dossier, pour ne pas gagner aucune influence sur lui. Et la Maison Blanche, tout beaucoup de paletots, et que ce soit Karine Jean-Pierre, c'est porte-parole, et la Maison Blanche, et bien tout dit que le président va être pas gagné pour le dire, le président va être il n'y a aucune influence qui était jouée dans la décision. Donc, son dossier qui a suivi, et là, je que jusqu'à présent, il n'y a pas profité de date que le président, ancien président Donald Trump, a retourné encore devant le tribunal. Le tribunal là, et pour une date qui fixe tout le jugement, c'est vrai que le procureur général a dit que la seule façon pour l'État faire un jugement accéléré, ou bien pour l'État accélérer le jugement, mais il reconnaît tout, là, ça prend moi. Avant au moins pour un jugement et DAP. En tout cas, pendant ce temps, l'ancien président Donald Trump est capable de continuer la campagne électorale pour chercher une nomination du Parti républicain. Il y a encore un autre et républicain qui est entré dans tout ça, c'est Maïska Vin Miami, M. Soares, c'est même qui est entré dans tout ça, qui nous fait des avances bien longues. Quantité républicain qui a cherché une nomination parti. Seulement pour l'État Floride, bien trois candidats, nous parlons de nouveaux candidats, dans le magistrat Abin Mahamian, ancien président Donald Trump, et puis il y a tout gouverneur et gouverneur d'État, tout qui lui-même qui est. Donc il y a trois candidats seulement pour l'État Floride qui a cherché une nomination parti républicain. Et très probablement, je crois que l'élection primaire ça qui est pour fête, et bien là au fait là, candidat qui a remporté la victoire, et bien c'est lui-même qui va faire face très probablement à candidat parti devant là, qui jusqu'à aujourd'hui là, c'est Joe Biden. Rapidement, nous parlons dans le pays d'Haïti, l'île n'a pas bougé après une rencontre trois jours fin de rouler dans Jamaïque là. Et bien, il n'y a pas bougé, chaque parti a commis son position. Et pour moi, c'est peut-être une idée de l'opposition, parce qu'il y a dans la société civile, il y a des partis politiques, tout. Mais quand même, il y a une résolution que il y a écrit entre eux, et que vous mettez face à pouvoir la Cognac. Et le premier ministre est retourné, et dans le discours là, dans le discours prononcé dans l'aéroport international, tout cette ouverture là, il parlait de lui-même disposé pour faire ouverture. C'est-à-dire que pour l'accepter, pour l'élargir le gouvernement, pour faire que plus et plus secteurs qui représentent dans le gouvernement, et plus secteurs qui représentent dans le gouvernement, et tout à disposer tout pour l'ITAVA et élargir et acheter assez bien ça. Et monsieur, nous, Jacques, nous passons là. Mon petit baron Jacques, nous faisons passer là. Donc, HCCA, c'est au conseil et de transition. Eh bien, bon, lui-même, et au conseil de transition, eh bien, il a disputé l'agile avec, pour arriver, peut-être 5 membres, mais pour le Kembe, même mission que le gouvernement actuel a fait Bali. C'est pas ça que résolution que le parti qui était dans
et Jamaïque mettent ensemble, au moins mettent le ministre en face au mur. Ils sont d'accord, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Et HCC, mais HCC a pas pion, pas sacré pour le ministre de l'Angleterre. Il fait problème pour le bon, plus de pouvoir, le pouvoir de contre-carré ou bien encore pour balancer le gouvernement. Bon gouvernement intérimaire, mais qui semblait pas premier ministre Ayelan, parce que dit que je crois que le premier ministre Ayelan est à faire partie, ça a le conseil présidentiel. Le conseil présidentiel, c'est qui est jeudi à HTC. Donc, il a appelé que le bon conseil présidentiel qui parle en face du gouvernement, au moins qui peut contrôler le gouvernement. Ça que partisan, on vient monde qui signe un accord 21 décembre, pas d'accord, parce que le dossier ça a été déjà, pas en bas aucun résultat, que je pas d'accord. Et le premier ministre a dit demandé parti concerné pour venir jouer la veille pour être capable d'élargir le gouvernement et puis c'est certainement travail pour mise en pied. Il y a un conseil électoral provisoire qui peut organiser l'élection. Mais partisan M. Aélo dit il y a tout un problème de sécurité qui peut résoudre, mais tout l'insisté soit fait électoral. Il dit que le gouvernement était aimé et était trop longtemps. Pour le gouvernement ça pour remplacer le gouvernement pour gagner un gouvernement définitif, un gouvernement élu, etc. Mais c'est là toute balle à blesser là parce que entre un pouvoir intérimaire ou bien encore un HCC qui élargit avec un nouveau gouvernement et acteurs concernés pas rencontré avec le gouvernement. Mais entre temps, CAICOM a les prend engagement lui-même pour les venir. Et la plus pour la nationalité, c'est pour rencontrer et rencontrer pour élargir l'emploi avec plus de monde qui était là en Jamaïque et peut-être et ouais, rencontrer des gens qui n'ont pas de plaie, des gens qui n'ont pas de voyage là, ou des gens qui peuvent avoir raison qui ont dit qu'ils n'ont pas aller pour quelque soit raison, ils ont dit, okay, comme dit lui-même, ils veulent aller. Et puis il y a l'autre point d'actualité, il y a plusieurs secteurs qui ont pu rencontrer la presse, il y a le Canada qui a sanction encore contre et de l'autre responsable en Haïti et donc c'est annoncé à prendre sur libre donc on sanction tout contre de l'autre monde et puis c'est là que Bayouye et puis dans Texas et à faire immigration nous besoin de c'est ça en tout cas et autorité immigration et surtout monde en Californie, le gouvernement local californien est fâché, surtout dans Los Angeles fâché le fait que le gouverneur état de Texas là voyez Bayo un groupe immigrant près de 42 immigrants Bayo on a fait 23 heures de temps voyage sorti de Texas sorti dans McAllen pour monter là dernièrement sorti dans McAllen pour aller dans Los Angeles en Californie 23 heures de temps voyager parmi eux des petits monde femme enceinte etc qui va faire voyage là mais voilà mais bon responsable le gouvernement local a accueilli et seulement à PDO puis ouais et qui sont capables de faire bien dans la destination finale et alors pour monsieur pour gouverneur de Texas là monsieur Abbott et bien vous savez pas si ça dit pas parce que lui dit que tout état ou bien toute ville qui considère comme des sanctuaires pour immigrants et bien depuis son ville la voyer mon baou parce que dire une administration responsable des ordres qui viennent sur le frontière et puis les problèmes d'immigration mon capitaine frontière qui est rentré illégalement aux États-Unis et bien nous ça rentre là le cœur ça va gagner longtemps et gagner Californie, c'était dans San Francisco, et bien c'était même pas à l'alte fait toujours, mais tu as un bus, ça monte, ça a été même pour un avion même. Mais et là-dedans, là, tu as une implication, l'État Floride, là-dedans, et qui t'est impliqué là-dedans, parce que député du Pral en Floride, et bien, il a pris tout, il a dit qu'il y a pour l'autre côté, plutôt que le Pral en Floride, et laissé le gouverneur de l'État Floride a été payé l'argent, transport au monde. Mais les gens qui savent qui sont en Californie et qui sont en Los Angeles, ils ont bien demandé, dis-nous qu'on va aller, excepté Floride, pas dire nous qu'on va aller Floride, parce que Floride dit qu'il ne peut pas accepter immigrants qui viennent à la classe. Nous, nous-mêmes, qui sont capables de boulons immigrants illégal dans l'État. C'est encore un livre, nous disons encore. Et voilà, et gentil Pat là, non, gentil Tounet, gentil Témami, monsieur Nankala avec nous, je dis, bon, Yumi, allez. Bon, c'est à pied là, il est arrivé à Atlanta. Donc, monsieur est en relais, nous lui disons, nous lui vivons. Et l'avion, monsieur, a couru en pile.
Je me suis dit que Atlanta. Je suis arrivé à Atlanta, je suis bien content. Où elle est physiquement avec nous, je suis bien content. Et pendant que je suis là, je suis nourri nous. Je suis nourri nous chaque matin, je suis avec. Je suis à peine sur le côté pour nos filles. Je suis nourri nous. Nous avons absolument, monsieur. Là, monsieur travaille pour nous songer. Et bien, nous-mêmes, tout nous. On a une visite nous-mêmes pour nous aller à la caille. On a allé en bas. Elle dit non, c'est possible, ça c'est possible. Après, nous avons un gros événement en bas. Et puis, nous avons plongé dans l'Atlanta. Et puis, nous avons tout valé Saint-Louis qui était en bas, à l'autre bord, qui était Jamaïque, qui était pour le sommet. Et bien, monsieur, dit retourner tout, monsieur New York, très certainement. Monsieur a pris un peu pour tomber avec nous. Et que ce soit ces réactions, bien pour ça qui s'est passé dans Jamaïque, il y a un débat qui est très certainement comme il y a un témoin, il y a un bel apporté pour. Mais en Haïti, tout, nouvelle loi parle tellement réjouissant concernant les participations et les délégations. Il y a des gens qui disent que les délégations ne sont pas capables de jouer parce qu'il n'y a pas de mandat assez, il n'y a pas assez de pouvoir assez, puis il y a des gens qui ont un bagage qui est tout pour nous satisfaire. Donc, autant de réactions qui gagnent et population, même avant nous, nous avons dit que la délégation sera passée à ses plaisirs. Par exemple, il n'y a rien qui a sorti dans la rencontre. Et il y a même des gens qui étaient dans la délégation, même tout qui était pour être par la gagne. Cette chose, c'est une chose que, pour une fois, tout le monde qui a parlé sur le plan politique en Haïti, toute situation, mais il y a une chance. Si dans la même salle, voyager dans le même avion et faire échange, côté une garder l'autre. Une garde de l'autre manger et même les papouins dans l'autre là, une garde de l'autre manger, mais au moins c'est une chance. Et son dossier que nous avons. Je ne sais pas que nous avons arrêté plus que ça, parce que nous avons parlé surtout de ce que les Américains ont été qui est pour aller en Chine. Son voyage qu'il était fait depuis le mois de février passé, mais après incident côté un ballon espionnage chinois. Et suivre les territoires américains, surtout les territoires américains, eh bien, il était annulé, voyage ça. La veille que le parlé, il était annulé, voyage ça. Et puis, bah, ça, la Chine dit que les pensées que les Américains étaient mal agis, et pas réfléchi, etc. Mais, c'est l'État a été annulé, voyage là, et qu'on y a voyage là, il y a eu encore. Mais, attention, qui là, entre la Chine, avec les États-Unis, que ce soit ça qui a passé dans le déploiement de Taïwan. Dernière rencontre entre bateau de guerre États-Unis avec bateau de guerre chinois dans le déploiement de Taïwan, et tout ça qui a passé tout dans l'espace international. Et entre la Chine avec Taïwan, tout les États-Unis, parce que nous avons vu la Chine transformer des pressions sur les États-Unis, sur avion. De guerre États-Unis, donc ça c'est des tensions, mais parce que visite ce que l'État va faire en Chine, pas porter un résultat rapide. Et puis, il y a un groupe et ministre de sécurité américain, les bat bravo pour le groupe Dakar, ça, les Dreamers, c'est un groupe de qui vient aux États-Unis, il y a des timons avec parents, donc ils étaient venus pas comme des mineurs, même si parents étaient illégaux, les timons ça veut dire par exemple qu'on aucun autre côté que les États-Unis, depuis qu'ils venaient à l'école, ils étudiaient, faire tout le bagage, donc on y aura quelques pays à voir avec ça, mais c'est alors le ministre des Sécurités a et salué, il faut en fait que ce soit dans militants, pendant que demander Congrès pour fond Jean pour voir s'il a fait et régulariser statut définitif et groupe Dakar que États-Unis qui a une permission pour les États-Unis mais jusqu'à présent statut toujours en limbo qui ne va pas faire parce que demander à ce que et Congrès a pris une décision dans ce sens. Donc, on a voté le Congrès à cette condition, même si c'est le gouvernement fédéral là, mais le gouvernement fédéral qui va prendre des décisions temporaires. Mais le Congrès c'est pour prendre une décision définitive pour régulariser le statut de Timon Sao. Et je dis à 20 ans, 25 ans, peut-être 30 ans. Et même qui vient aux États-Unis avec parents, il était passé par la frontière, il était aux États-Unis, dans la circonstance-là. Mais il parlait de Tikyo, par exemple, dans l'autre pays, que seulement les États-Unis, c'est là où il grandit, c'est là où il fait à l'école, c'est là où il fait. Donc toujours demandé à ce que le bon bagage qui fait pour régulariser le statut.
Eh bien bon, moi je rappelle là, mes amis, salut nous. Nous allons passer une très bonne journée dans l'hôpital, dans la journée radio sur la télévision. Et puis moi-même, je n'en parle encore demain matin. Passez bonne journée tout le monde. Hein? Bye bye.